No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Along the state's flood zone. He and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Bon, maintenant, on va se permettre de faire une petite parenthèse, étant donné qu'on vient de voir rapidement l'étude du docteur Matessi à l'effet qu'il y aurait une preuve cométaire de la présence massive d'un corps céleste massif dans la région éloignée du nuage de Oort. Et ce qu'on vous a montré à plein feu, on vous a vraiment montré en détail la description de l'orbite du destructeur, en fait celle qui nous semble la plus plausible. Et on n'a pas pris seulement l'étude du cercle céréalier. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le cercle céréalier confirmait même des versets bibliques, vraiment, puis des études. Et on va vous donner un exemple pour vous mettre en appétit de ce qui vous attend pour ceux qui s'accrochent à suivre nos capsules eschatologiques. C'est pour vous qu'on les fait. Et après avoir passé les preuves de validation de l'orbite de Planète X, on va rentrer vraiment dans l'étude des prophéties bibliques notamment. Et attendez-vous à être en état de choc, c'est vraiment ce qui s'en vient dans les prochains mois, les signes, c'est vraiment absolument époustouflant. Alors ici, on va commencer. On a vu rapidement dans la capsule précédente cette photo-là ici, cette image-là, qui nous montre la répartition de 82 comètes de classe I qui ont fait l'objet de l'étude du docteur Matessi. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand on fait la moyenne de l'angle de déclinaison, c'est B ici, de 0, 30, 60 et 90, c'est l'élévation. Et quand on fait la moyenne de l'hémisphère nord, c'est-à-dire de toute la partie supérieure, vous imaginez cette ligne-là ici étant la ligne de moitié, de milieu, de séparation. Vous prenez toutes les comètes qui sont au-dessus, vous additionnez leur nombre de degrés, vous faites la moyenne, on arrive proche de 30 degrés. Et quand on fait le même exercice pour l'hémisphère sud, eh bien, on arrive encore proche de 30 degrés. Donc, on voit vraiment qu'il y a une ligne qui se tient aux alentours de l'angle de 30 degrés de déclinaison. Et comme vous le savez, on vous a montré que notre orbite, le destructeur, aurait un angle de moins 33 degrés. Et ici, si on va dans le texte explicatif pour la figure 1, c'est celle qu'on vient de voir ici, figure 1. Alors, on nous dit que ça nous montre justement la direction, la répartition de la direction des comètes et qu'il y a de façon abondante des anomalies dans l'orbite de ces comètes. Et qu'il y a une concentration de cette anomalie-là à un angle de longitude de 315 degrés, plus ou moins 15 degrés d'erreur. Il y a une erreur ici, ça veut dire qu'on parle entre 300 et 330 degrés. Et la longitude galactique, si vous voulez, c'est vraiment, vous imaginez un cercle de 0 à 360 degrés. Et c'est cette direction-là. On va, pour vous rendre ça encore plus simple, on va vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Imaginez-vous un cercle, maintenant, et dans un plan, et vous partez du point 0 ici,
et vous allez à 360 degrés et vous continuez de descendre, votre cercle étant séparé en 360 degrés au total. Donc, vous partez d'ici, vous descendez jusqu'à 270 degrés à ce point-là. Ici, vous avez 180 degrés, 90 degrés, vous retournez à zéro pour recommencer à 360. Et pour vous donner un exemple, 315 degrés, c'est très près de la région du taureau et le ciel opposé et le scorpion à 135 degrés. Et on va vous en faire la démonstration. Et ce qui est incroyable, c'est encore une fois, ça suit la ligne du destructeur. Et le destructeur, étant un poids très massif, une masse très, très, très importante, va par gravitation tirer des comètes qui sont situées, vous regardez mon petit plus de curseur, imaginez-vous que c'est une comète, elle va tourner, elle va suivre toujours cette ligne-là, avoir tendance à suivre le long, longer cette ligne-là, si vous voulez, de direction, qui est entre 315 et 135, et aussi, là on ne peut pas voir la profondeur, mais il va avoir un angle d'incidence de 30 degrés, comme si ça rentre dans mon écran, négatif. Et c'est vraiment ce que l'étude nous montre. On va maintenant procéder à la démonstration que la région de 315 degrés au taureau et 135 correspondent bien à la région, c'est-à-dire 315 pour le taureau et 135, ça correspond bien à la région du scorpion. Alors maintenant, permettez-nous de vous faire la démonstration que 315 degrés, c'est très proche de la région du taureau et que 135 degrés est très très proche de la région du scorpion. Pour ce faire, on va le faire avec l'aide d'un logiciel d'astronomie. Ce qu'on va faire, on va faire apparaître les constellations et la déclinaison et les degrés de longitude. On va assombrir le soleil pour que vous puissiez voir et on va enlever l'horizon. Notez que la partie la plus sombre, c'est l'horizon, c'est la Terre. Et la ligne qui sépare la partie foncée de la partie plus pâle, c'est l'horizon terrestre avec le ciel. La ligne de délimitation, si vous voulez. Et on va aller faire un tour à 135 degrés pour voir ce qu'il y a à 135 degrés. Voyez-vous, à 135 degrés, on n'est pas nécessairement dans le scorpion, mais on sait qu'il y a une erreur de 15 degrés et 135, donc ça nous ferait quelque chose comme 120 degrés, on est très proche du scorpion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Matt Hesse a fait son étude en 97. Le destructeur part du scorpion, mais il y a une orbite de période de révolution de 3600 années. Ça prend 3600 années faire le tour, donc pour venir du scorpion à chez nous, à sa périhélie, on parle de 1800 années, si on se base sur ces données-là. Mais 1800 années, quand on est en 97 et qu'on pense qu'elle va être chez nous en 2013, vous comprendrez bien que le destructeur, comme on vous l'a dit, en septembre cette année, va être probablement au niveau des pieds de la Vierge, en septembre cette année. Donc, si on recule de quelques années, le destructeur est en transit entre la Balance et la Vierge. Il est évident qu'à ce moment-là, on se rapproche vraiment, vraiment du 135 degrés. Là, on est vraiment, vraiment très proche. Et l'erreur est très, très faible ici. Et maintenant, on va aller à 315 degrés. Voyez-vous, à 315 degrés, qu'est-ce qu'on a? 315, ça veut dire que vous êtes ici, dans cette ligne-là. On est très proche du taureau. Vraiment, vraiment proche du taureau. Et en plus, comme je vous ai expliqué dans l'étude de Matt Hesse, en plus d'avoir la ligne de longitude, on aurait une moyenne de 30 degrés dans une ligne de déclinaison environ à 30 degrés, plus ou moins quelques degrés. Donc, cette étude-là pointe vraiment dans la direction de l'orbite qu'on vous montre à plein feu. Elle est conforme.